La flamme de la joie dans l'effort, du respect et du partage d'être ensemble, de l'éducation par le sport, brille sur le collège de Kouale, capitale du paralympisme. Parmi la centaine d'enfants, certains se distinguent. Wael, 10 ans, est venu avec l'association Autisme Mayotte. C'est la première fois que je jouais en basket, en fauteuil. Je jouais, mais en faisant des passes. Mais il faut faire attention quand on recule. Des fois, là, devant, ça monte et on peut tomber derrière. Une partie de basket en fauteuil après disputée, suivie de très près, outre par l'arbitre, par d'autres élèves, qui, le temps de l'explication sportive, se mute en coach, en accompagnateur. C'est le cas de Naïma, 15 ans, en classe de 3e au collège de Kouale, qui délivre de précieux conseils sur le bord de la touche. Je leur disais de faire la passe quand on est le ballon dans sa main, après quand on était presque déprogrammé que le but. Quatre écoles ont fait le déplacement, dont trois de Tsunzu et une de Doujani. La thématique cette année tourne autour du sport et du handicap. L'occasion d'accueillir plusieurs jeunes de CM2, notamment des élèves scolarisés dans des classes ULIS, présentant des troubles des fonctions motrices, auditives, de la vue, du langage ou autistiques. Ils sont avec des élèves de Tsunzu, des élèves de Doujani, et ils se rendent compte déjà, donc plus de ça, l'inclusion des élèves ULIS ou des enfants de Mayotte Autisme, eh ben, c'est de savoir aussi leur parler, les comprendre. On interagit avec les jeunes du collège de Kouale pour qu'ils participent à l'activité et aux Jeux paralympiques et qu'on montre bien que les jeunes sont capables aussi de faire tout ce que les autres peuvent faire parce que ce n'est juste qu'un fonctionnement différent des autres. Ceci, foot, basket en fauteuil ou encore breakdance sont au programme de ces Jeux paralympiques. Une compétition aux allures d'atelier car ici la gagne se manifeste davantage dans l'apprentissage, la participation. Latuf et Anissati en classe de CM2 au collège de Tsunzu ne s'économisent pas. J'ai fait la danse du break. Alors, on a joué au basket. Après qu'on a joué au basket, on est allé au bois de l'eau. Plus vite, plus haut, plus fort est la devise olympique, une devise à laquelle on peut ajouter échange, partage, solidarité. Les Jeux paralympiques du collège de Kouale se poursuivent jusqu'au vendredi, jour de la remise des médailles et de la cérémonie de clôture.